Double lettre, je vous présente l'agent Benoît. Vous ferez équipe avec lui pendant un mois. L'agent Benoît est un spécialiste des graphies du son « wa ». C'est pourquoi il nous sera très utile pour retrouver celui qu'on surnomme « l'oiseau ». Regardez, double lettre. L'oiseau se déplace toujours vers des graphies du son « wa ». Il est d'abord allé sur le toit, puis dans les bois, et enfin aux toilettes. Toit, bois, toilette. Tous ces mots s'écrivent avec les lettres O et I, les lettres les plus fréquentes pour faire le son « wa ». Oh, l'agent Benoît a trouvé ce noyau près d'une agence de voyage. Noyau, voyage. Une nouvelle graphie du son « wa », mais cette fois-ci avec les lettres O et Y. Tout laisse à croire que l'oiseau est parti en voyage à Ottawa. Pourquoi? Mais parce que Ottawa contient aussi une graphie du son « wa ». Eh oui, les lettres W et A font le son « wa » comme dans « kilowatt », « Ottawa » ou « wallaby ». Mais reprenez-vous, agent Benoît, nous savons que vous êtes un wallaby, mais ce n'est pas une raison pour sauter comme ça. On vous attend à Ottawa et je vous y envoie d'un claquement de doigts. À vous, double lettre, retrouvez l'oiseau. Eh bien, ce sont des instruments de musique, voyons. Je vois... C'est un quatuor, et le « wa » de quatuor est formé des lettres « u » et « a » précédées d'un « q », comme dans « aquarium ». Il est là! Bravo! Attrapez-le! Oh, double lettre! Et maintenant, vous comptez faire quoi? C'est ça. Allez manger chinois avec l'agent Benoît, cela vous fera du bien.